Le prophète wa sallam, est né l'année de l'éléphant. Cette année-là, l'année année de, 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 de l'éléphant, un, une grande armée s'est dirigée vers la Kaaba pour la détruire. Et ils ont pris avec eux des éléphants pour faire peur aux gens. قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا العام يولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم Et الله سبحانه وتعالى ديستني euh, du, du prophète محمد صلى الله عليه وسلم لماذا حتى يعرف الناس أن هناك أمر سيحدث وأن هذا البيت يحميه رب العالمين Pourquoi est-ce que Allah a destiné cela C'est pour que les gens sachent qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver et que cette maison-là, elle est protégée par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque cette armée est arrivée à Mecca, proche de Mecca, les éléphants se sont arrêtés. Lorsqu'il dirigeait les éléphants vers une autre direction que la Mecque, il marchait, mais dès qu'il dirigeait les éléphants vers la Mecque, eh bien, il s'arrêtait de marcher. Alors médite sur, sur sur cette chose là, euh, un éléphant, un animal. Qui, qui, a, qui, qui, qui ne parle pas, qui, qui ne comprend pas des, les paroles, mais qui, a, qui, qui respecte la maison d'Allah, Alors qu'il y a des gens qui sont musulmans, etc., qui parlent, etc., et qui ne respectent pas le, la maison d'Allah, subhanahu wa Donc cette année-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, حصل لاهل مكه شان عند الناس. دونك لي جون دو لا اون فلا احد يعتدي على اهل مكه. دونك بيرسون نوزي تخرج لهم قافله الى الشام للتجاره وقافله اليمن للتجاره، لا احد يتعرض لهذه هذه القوافل باخذ الاموال بالسرقه، قطاع الطرق، لا يتعرض لهؤلاء لانهم اهل البيت.

donc, ceux, ceux, ceux qui habitaient la Mecque, normalement, euh, en échange de ce grand bienfait qui était la sécurité, eh bien, ils auraient dû normalement euh, remercier Allah subhanahu wa en acceptant euh, l'islam, mais ça, ça a été le contraire.